On aimerait savoir votre avis sur les départementales, les élections départementales qui arrivent. Ce sont des élections importantes, parce qu'elles, justement, elles s'adressent à la population qui est là sur place. Donc, avec, j'espère, que les problèmes que nous avons, qui sont des problèmes particuliers à l'endroit où nous vivons, où nous exerçons nos métiers, nous avons besoin de politiques pour, du moins, s'ils ne sont pas réglés, du moins qu'ils soient pris en compte. Ouais. Très bien, merci. Oui. On est venu vous voir pour avoir votre avis, surtout. Surtout sur les départementales, sur les élections prochaines, sur la rue, bien sûr, sur l'avenir, le devenir. Est-ce que vous étiez... J'étais déjà venu... Alors on attend beaucoup de l'élection départementale, même si ce n'est pas au cœur des compétences du département. On attend beaucoup pour que, enfin, bon, tout le monde se réveille et que ce ne soit pas... Ça fait quand même 4-5 ans que ça dure, plaisanterie. On s'est trouvé, on a pris la parole et on a interpellé sur cette rue. Mais qui fait quoi Qui fait quoi? Qui veut quoi? Dites-moi la vérité. C'est une bonne interrogation. Oui. Moi, c'est ça que je veux savoir. On le demande. Hein, oui. Voilà, il y a à peu près 14 ans, elle a été entièrement refaite. Hein. Oui. C'est vrai que c'était une belle rue. C'était une belle rue. On trouvait des artisans, on trouvait commerçants, on trouvait des résidents. Absolument. Et il y avait une belle dynamique. Voilà, c'est des commerces de qualité. Et en l'espace de quelques années, voilà, là, c'est le vrai désert. On a complètement abandonné. Mais ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas la crise économique qui a occasionné ça. Il faut quand même à un moment appeler un chat. L'intervention, je le dis, moi je n'ai pas peur, l'intervention de la CERM qui continue à dire quand on aura racheté tous les commerces, on fera quelque chose, c'est une intervention anti-économique et qui va faire plier. Le temps de l'administration n'est pas celui de l'économie ni des citoyens, du tout. 8 ans, c'est beaucoup trop long pour faire quelque chose. Et ensuite, on ne se relève plus. Alors, ils sont sans doute très contents d'eux-mêmes, de leur mission, je ne sais pas comment on les évalue, mais la vérité, c'est que c'est une poubelle. On dirait Beyrouth. C'est pas possible, ça. Voilà. Vous pensez qu'il fallait supprimer le département? Pour quelle raison? Ça n'a aucun intérêt. Fait partie du millefeuille législatif qui sert à rien et qui coûte cher, hein. Oui, l'important, c'est que les élus soient représentatifs sur le terrain, parce que toutes les personnes qu'on a vues pour l'instant se plaignent de n'avoir pas d'interlocuteur en face d'eux. Donc, il y a trop de personnes peut-être, mais pour l'instant, on n'est surtout pas présents. En fait. Donc, des élus engagés sur le terrain et représentatifs de la population. Pour que la population puisse effectivement dialoguer et faire des demandes. Pour moi, ce n'est pas un problème de trop d'élus ou trop de quoi que ce soit. Et ce qu'il faut, c'est que ce soit cohérent et que les gens s'y retrouvent, sachent à qui faire appel quand ils ont un besoin particulier et sachent que finalement, ils ont des représentants et des interfaces en fait, de proximité à qui s'adresser pour des sujets sociaux, par exemple, quand il s'agit des conseillers départementaux. Et le millefeuille, il est plutôt, selon moi en tout cas, administratif et pas un problème de nombre d'élus. Il faut essayer de mutualiser les compétences et faire en sorte qu'il y ait une cohérence, notamment par exemple sur la compétence économique. La compétence économique peut être développée au niveau de la région et plus du département, tout en restant en fait cohérent avec les services nécessaires. Moi je ne dirais pas trop d'élus, mais pas assez de proximité justement. Les élus doivent être plus proches de leurs électeurs et voilà, c'est ce qui est vraiment dommageable. Les citoyens recherchent surtout l'efficacité des élus. Donc il faudrait qu'ils soient plutôt efficaces, présents sur le terrain, comme on le voit sur la rue du Faubourg du Courreau. On ne voit jamais les élus à multicartes, parce qu'en fait ils ont été élus depuis 20 ans. On les a jamais vus sur le terrain. Et là, depuis quelques jours, on les voit venir se présenter au départemental. Je ne dirais pas de nom, hein, mais il faudrait que peut-être qu'ils se mettent un peu Comment dire ? Il y a quand même des élus présents. Hein. Non, je parle des élus qui sont déjà élus sur les départements et qu'on n'a jamais vus dans les restaurants du coin, ni dans la rue. Ils ne sont jamais intervenus pour les trous qu'on a bouchés, parce que c'est Ensemble des citoyens pour Montpellier qui est intervenu pour qu'on bouche les trous. Les commerçants sont contents de ça aussi. Non, ils disent tout le monde promet. Ces promesses, il y en a. Mais bon, pour le moment, on n'a rien vu. Voilà. Non, mais je vois que monsieur aussi est... bouge pas mal, donc c'est ce qu'il faut. Ça sert à rien du tout, ça. Moi, j'ai discuté pas mal de fois avec tous les représentants qui étaient dans les réunions et tout. On a promis la lune, mais bon, la chose a été que bon, ils ont fermé la rue, mais
C'est tout. Ça, c'est... Ouh là là, alors là, c'est l'horreur. Alors là, ouais. Comme je leur ai dit, c'est l'horreur. Quand la borne ne marche pas, alors là, je vous dis pas. Des fois, on n'arrive même pas à rentrer. On n'arrive même pas à rentrer ou on se fait agresser. Bah, vous êtes fait agresser. Ah oui. Exactement. Dans le hasard, j'étais là. S'il n'était pas là, mon neveu se serait fait massacrer parce que... Le type me dit je paye mes impôts, comme quoi ça donne le droit de faire n'importe quoi. Sécurité et bien vivre dans nos quartiers. Ok, bah, la famille, moi avec vous. Inch'Allah. Vous voulez pour la famille alors? Ça fait, bien sûr, on a la famille. C'est obligé, on a la famille. C'est obligé, on a la famille. Pour nous le 22 mars, dès le premier tour, la seule alternative au FN, c'est nous. Assurer le vrai changement à Montpellier avec une équipe de proximité. Le 22 mars, voter pour nous, c'est voter pour une équipe de terrain et une équipe engagée. L'alternative sur le 5e canton, c'est le centre. Voter le 22 mars pour Marie-Laure Brouillard et Félix Allary. Bien entendu, je soutiens la liste de Marie-Laure Brouillard et de Félix Allary parce que ce sont des gens bien et je crois en eux. Le 22 mars, votez pour nous, une équipe proche de vous, une équipe de proximité, une équipe à votre écoute. Il faut redynamiser nos quartiers, faire en sorte que nos quartiers ne se paupérisent pas par une sécurité peut-être plus accrue et également par une activité davantage axée sur le commerce et sur la protection des personnes âgées. Le 22 mars, n'hésitez pas à voter pour l'équipe Marie-Laure Brouillard-Tanguy, Félix Allary, Christine Gayola et Boudjem Alaliam. Vous ne serez pas déçus. Ils vous représenteront dans les instances départementales de façon efficace et vous aurez là des interlocuteurs de proximité à votre écoute et à votre service. Les Montpelliérains au centre, c'est avec le binôme Félix Allary, Marie-Laure Tanguy-Brouillard.